toboggan là-bas apparemment. Un petit toboggan aqua chic. J'ai le mal de mer, genre je ne vais même pas sur la mer. Vu que j'ai pas d'amis, j'ai l'impression que c'est pas normal. J'ai toujours rêvé de faire ça. C'est le plus beau hôtel que j'ai vu de ma vie. C'est mon anniversaire. Je viens de remettre toute ma vie en question encore. Hello tout le monde et bienvenue dans ce petit vlog. C'est mon anniversaire et j'ai décidé de partir le fuir au Mexique. En fait, je vous explique, mon anniversaire, je le déteste. Je veux l'éviter à tout prix. À chaque année, j'ai envie de pleurer, de me cacher dans mon coin et de parler à personne. Je déteste vraiment les anniversaires. En fait, plus j'avance en âge, plus je déteste mes anniversaires. Pas seulement à cause du fait que je vieillis et que le temps passe. Oui, ça fait partie des points. Mais il y a tellement de choses autour des anniversaires que je déteste. Attends, je vous pose confortablement. Et puis, il y a ce truc aux anniversaires. Je sais pas si vous le ressentez comme ça, mais j'ai l'impression que t'as cette pression de devoir être contente à ton anniversaire. Genre, c'est ton jour, t'as toute l'attention sur toi, tu dois être contente. Et cette pression-là, elle me donne envie de justement ne pas être contente. Tu vois ce que je veux dire? En plus de ça, il y a ce truc aussi dans mon inconscient que tu dois fêter ton anniversaire avec tes amis. Et moi, vu que j'ai pas d'amis, j'ai l'impression que c'est pas normal que je le passe en famille ou seule, tu vois. Mais c'est super contradictoire parce que c'est un choix délibéré de ma part de ne pas avoir d'amis, tu vois. Mais à mon anniversaire, ça me rend un peu triste d'être seule, tu vois, même si je suis pas seule parce que j'ai de la famille. Oh, il y a des méga beaux poissons là. Oh, je sais pas si vous les voyez, juste ici là. Oh, ils sont tout bleus, ils sont incroyables. Ça, c'est toute une conversation, l'amitié. Je pourrais en parler pendant des heures, mais pour vous résumer un peu, parce que je trouve ça quand même intéressant. Je vais vous résumer en gros pourquoi je veux pas d'amis dans ma vie. Déjà, en tout cas en ce moment. La première raison, c'est que j'ai des critères assez élevés en amitié. Pour moi, un ami, c'est quelqu'un avec qui je construis une relation vraiment intense et profonde. Ça m'intéresse pas vraiment les amitiés de surface. Genre, j'ai besoin d'une amitié, une vraie amitié, tu vois. Et pour construire une vraie amitié, ça me demanderait de l'effort, ça me demanderait de bâtir, tu vois, cette relation. Donc déjà, je suis pas sûre que j'ai le temps pour ça. Plus de ça, moi, l'amitié, je la vois vraiment comme l'amour. Une déception amicale, pour moi, c'est aussi fort qu'une déception amoureuse. Donc être prête à laisser un ami rentrer dans ma vie, ça voudrait dire aussi prendre le risque d'être déçue. Et je sais pas si j'ai envie de ça non plus. En plus de ça, je pense pas que je serais une bonne amie parce que j'ai une capacité sociale très réduite. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, j'ai envie de tuer la personne qui est à côté de moi. Je ne supporte pas être en présence d'êtres humains trop longtemps. Sauf quelques proches à moi, vraiment, genre ma soeur, ma mère. Les autres, même s'ils sont très gentils, au bout d'un certain temps, je peux plus me les voir. Et c'est justement dans ces cas-là que je trouve que l'amitié, elle est intéressante. C'est quand tu peux rester à côté de la personne pendant des heures sans vous parler. Et c'est pas bizarre, tu vois. Et avec mes meilleurs amis que j'ai eu dans ma vie, justement, c'était ça, on pouvait rester toute la journée ensemble et ça ne me bouffait pas mon énergie sociale. C'est là que l'amitié, je trouve, elle devient intéressante. Mais pour ça, il faut trouver, tu vois, il faut faire un travail de trouver les bonnes personnes. J'ai pas le temps pour ça, de chercher des bons amis qui me conviennent et tout, ça me prendrait trop d'énergie. Donc c'est pour ça que je veux pas d'amis. Je trouve que ça m'apporterait plus d'inconvénients que d'avantages. Genre, je suis bien avec ma famille, tu vois, je peux tout leur dire. Ma soeur, c'est ma meilleure amie, j'ai besoin de personne d'autre. Après, je dis pas non, si je tombe sur la bonne personne et d'un coup, mais en plus, moi, j'ai trop des coups de cœur amicales. C'est ça, si je trouve une personne avec qui j'ai une connexion, au bout de deux minutes, je vais être super attachée à elle et après, je vais être déçue. En plus, je suis jalouse un peu en amitié. J'aime pas que ma meilleure amie ou mon meilleur ami, il ait trop d'autres amis. Je suis un peu toxique en fait. Je crois que c'est ça le problème. Tout ça pour vous dire que, ouais, vu que je trouve que mon anniversaire, c'est un moment super triste et ça me rend hyper malheureuse à chaque fois, j'ai décidé d'instaurer cette tradition de partir voyager dans une nouvelle destination à chacun de mes anniversaires. Cette année, je suis au Mexique. Donc cette tradition commence à partir de maintenant. Je viens de décider ça. Je suis au Mexique pour la première fois de ma vie. Ce que j'ai remarqué jusqu'à maintenant sur le Mexique, c'est que déjà, toutes les activités touristiques et tout, c'est ultra cher. Et même la nourriture, c'est plus cher qu'en Colombie en tout cas. Même le gaz, genre l'essence est super cher. Tout est cher, je trouve. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cher. Après, évidemment, je suis dans une partie touristique du Mexique parce que c'est un peu dangereux de sortir de ces endroits-là. Enfin, j'irai pas m'aventurer à la frontière, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est clairement magique, la nature est incroyable. Les activités touristiques sont incroyables aussi, sauf qu'il y a beaucoup d'exploitation animale. Ça, c'est vraiment un gros, gros non. Il y a beaucoup d'attractions touristiques qui incluent des animaux en captivité. Donc ça, ne faites jamais, s'il vous plaît, parce que, sérieux, genre, les conditions dans lesquelles ces animaux vivent là sont horribles. Genre, même s'ils sont bien traités, ils vivent dans des endroits beaucoup trop petits pour eux. C'est n'importe quoi. Genre, vraiment, renseignez-vous là-dessus et surtout, ne payez jamais pour, genre, nager avec les dauphins, ce genre de choses, parce que c'est n'importe quoi les conditions dans lesquelles ils vivent, ces dauphins là. I just have a question regarding the dolphins. Do they stay like here all year long or do they have more space when there's no visitors? It's just here? It's just here. Ah, okay. Isn't it too small for them, the space? It is. It is. We can do nothing like that.
about it. We're trying to. Yeah, I know it's not your fault. En plus, vous avez moyen de les voir. Enfin, les dauphins, je sais pas, mais en tout cas, des merveilleux poissons, des tortues. Il y a plein d'animaux marins que vous pouvez voir dans leur habitat naturel. Bref, n'oubliez pas de liker la vidéo, d'aller me suivre sur les réseaux sociaux pour voir toutes mes belles photos du Mexique que je vais poster sur Insta. Sur ce, je vous laisse avec le vlog. Bon visionnage. On est en train de visiter un hôtel. C'est une dinguerie. C'est le plus beau hôtel que j'ai vu de ma vie. Mais c'est une dinguerie. Regardez sur le chemin ce qu'on trouve. Par contre, tu sais pas où tu vas atterrir, quoi. Tu prends le toboggan, tu sais pas ce qu'il y a à la fin. Non, mais regardez, même ce chemin est incroyable. Tout est beau, en fait. Partout où tu poses... Oh quoi? Non, mais c'est quoi? Non, mais est-ce que c'est le paradis sur Terre? Ce trou m'hypnotise. J'ai rarement vu un trou aussi beau, putain. Bah voilà, en fait, partout où tu vas, c'est le paradis. Une chambre, celle-là c'est la suite junior. C'est une des plus petites chambres en fait parce qu'il y en a qui ont directement accès sur le lagoon. Il y en a avec des piscines en vitre sur le balcon et tout. Donc celle-là c'est une des plus simples, on va dire entre guillemets. Elle est déjà absolument splendide. Il y a un jacuzzi sur le balcon, la vue est incroyable. Elle est à peu près 1 500 $ la nuit. Après, quand tu loues une chambre dans cet hôtel, ce qui est bien c'est qu'il y a absolument tout qui est compris dans le prix. T'as accès au buffet à volonté, les transports sont inclus aussi et même certaines activités qui sont plutôt dispendieuses. Donc c'est vraiment complet. Faut juste être un peu riche. Non mais regardez-moi ça, ça s'arrête jamais. Ça m'énerve, hein. C'est tellement beau, ça m'énerve. Je me suis changée pour rentabiliser un maximum. Je vais prendre un maximum de photos. Et après on va à X-Senses, je crois que ça s'appelle. C'est un parc sensoriel apparemment. Je sais pas trop à quoi m'attendre, je me suis pas trop renseignée. Ça donne terriblement mal à la tête, c'est horrible. En fait je pense qu'on est penché nous, hein. C'est horrible, je veux là, partir on d'ici. On descend mais on a l'impression qu'on monte. On descend. On est en train de descendre une côte. Sur la vie de ta mère, on descend. Bah ouais, tu mets une boule, elle va rouler par là-bas. Jure. On est en train de descendre une montagne. Alors là, on monte si ouais. Je vais par là. Ah ouais. Ah, ça fuck trop mon cerveau. Oh. Quoi. C'est fou, regardez, la rivière, elle monte. Non, mais j'ai du mal à y croire. Je sais pas si vous comprenez en caméra, mais c'est dingue. J'ai le mal de mer, genre, je ne même pas sur la mer. Je veux partir d'ici. Je comprends pas pourquoi on descend alors que ça monte. Je comprends pas. Non, mais j'essaie de comprendre si ça marche pas. Les gars, c'est de la sorcellerie. Pour aller aux toilettes, t'es obligé de passer sous l'échelle. Bon, j'ai pas le choix d'y passer. Si j'ai des malheurs pendant 7 ans, on sera à sa cause de quoi. On est dans la grotte de Lascaux, les gars. J'espère qu'on va voir des hommes préhistoriques. Les gars, j'ai une fourmi mexicaine sur mon pied. Attention, il y a des hommes qui tombent des roches. Ça, c'est inédit, ça. Ça, on le voit nulle part ailleurs. Je fais que de changer de place parce qu'il y a un mec qui me suit. Et genre, il s'assoit à côté de moi. Mais tu crois qu'il va se passer quoi? Je comprends pas. Pourquoi tu t'assois à côté de moi? Tu crois que je vais te demander en mariage? Genre, je vais devoir je vais faire comme toi, t'es le bon. Laisse-moi tranquille, non? Et voilà. Regarde, attention. Dans quelques secondes, vous allez le voir juste à gauche. Voilà. Ah là là. Bon, allez, on va faire le toboggan. Il y a un toboggan là-bas, apparemment. Genre, aquatique. Un petit toboggan aquatique. Non les gars, regardez c'est quoi la prochaine étape. Non non non, moi je m'aventure pas là-dedans, hein. On va rester bloqué là pendant 3 heures. C'est de la boue mouvante. Mais ça te purifie. Non mais je veux pas me purifier moi, c'est correct. Je veux bien me purifier la main, mais c'est tout. Oh c'est même pas de la boue, c'est comme de l'eau. Ça sent de ouf le caca, j'ai un doute que ce soit du caca en fait. Arrête, ça sent le caca, ça sent le caca. Je me demande pourquoi il y a des doigts ici, c'est un peu suspicieux. C'est pour faire quoi exactement? Arrête. Oh c'est... Chut. J'adore cette grotte, elle est nice. J'aime bien le vibe. Ouais, il y a un bon vibe. On est tout seul, c'est quoi ce bordel? Ça se trouve le parc il a fermé. Oh ouais. Non mais ici je sens que je vais choper 10 000 verrues en fait, c'est ça qui va se passer. Le sol est hyper texturé, genre c'est un sol parfait pour choper des verrues. Il y a une corde. Ouais. Non, non, pas celle-là, je pense que c'est celle-là. Puis là regarde, il va y avoir une grotte qui va ouvrir là-bas. Regardez la toilette familiale, c'est pour chier en famille. Regardez comment ils ont poussé le panneau interdit aux chiens. Ils ont créé tout plein de chiens en bottes. Mais ça donne envie, genre, d'amener son chien. Et lui, il pisse. C'est quoi? C'est une sculpture d'art. Tu vois pas? Non. Ouais, mais c'est tout. Il y a un effet de petit? Ouais. Ah ouais?
Regardez, ça résonne là-dedans. Je vais vous faire un petit cover. C'était magnifique. Attends, je fais un vœu. Oh, il y a trop de trucs que je veux. Attends, je croque dans l'huile, elle a l'air incroyable. Attends, je croque dans l'huile, elle a l'air incroyable. Oh là là. Là, on va aller à un endroit incroyable, vous allez voir. Vous allez voir, en fait. Bienvenue dans une nouvelle dinguerie. Première activité, je me dirige vers une activité qui me plaît pas du tout. Mais j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Zip bike. Ah bah 45$, sympa. En fait, il faut tout payer dans ce parc, genre c'est quoi cette arnaque? Les gars, finalement j'ai payé. Je crois que je regrette, il y aura 10 mètres de haut. C'est haut 10 mètres, non? Je crois que c'est méga haut. Putain de mort, ça bouge de ouf. Je vais être hyper vulgaire par contre, je suis désolée. Mais là j'ai peur ça pute là. Oula, ok, ça commence à être bien haut, sa grand-mère, la chiennasse. Je vais arrêter de filmer parce que là je panique trop. Bisous les gars, bisous. Ouvre les yeux. C'est... parce que c'est beau. Je me détends là. Pourquoi je m'inflige toujours des trucs qui me font pas plaisir? Pourquoi je fais toujours ça? Ok, super. Regardez comme c'est beau. C'est méga beau. Waouh. Oh, oui, là c'est bien. C'est pas haut. J'adore quand c'est pas haut. Je suis traumatisée, les gars. Waouh, j'ai les jambes qui tremblent et tout. Eh hey, mais ils ont pas prévenu, à un moment donné c'est hyper dur à pédaler. Genre après peut-être qu'ils ont prévenu mais j'ai juste pas compris que c'était en espagnol. Ah je suis traumatisée. Ah c'est un des trucs les plus flippants que j'ai fait de ma vie avec l'acrobranche. Non l'acrobranche c'est bien pire. C'est là où on va? Ouais. Ok. Là on va là. Mundo de Aventura. Je sais pas ce que c'est. Mais non, pas du tout non. Non, je vais pas là moi. Ah non. C'est bon là, j'ai assez souffert pour aujourd'hui. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Ça, c'est un show qui a lieu, je crois, tous les soirs à Xcaret. C'est un spectacle hyper complet qui t'explique en fait l'évolution du Mexique. Ça te fait voyager à travers plus de 500 ans d'histoire. C'est vraiment hyper bien fait, c'est super intéressant. Il y a plus de 300 artistes sur scène tout le long du show. Ça, c'est le jeu de bal préhispanique. C'est une tradition vieille de plus de 3000 ans qui était pratiquée notamment par les Mayas et les Aztèques. Le but, c'était de faire passer une balle en caoutchouc d'environ 4 kg dans un anneau en pierre. C'est un petit peu l'ancêtre du basket, sauf que tu joues avec tes hanches. Faut être assez entraîné pour le jouer parce que des fois, les coups peuvent faire très mal. En gros, c'était une pratique sportive hyper répandue et qui a été interdite quand les Espagnols sont venus coloniser. Parce que c'était un jeu qui avait une signification religieuse trop importante. Et les Espagnols, eux, cherchaient à supprimer toutes les pratiques religieuses afin d'imposer le christianisme. Et si tu voulais pas devenir chrétien, d'ailleurs, tu te faisais décapiter. Voilà. Ok. Oh my god, les gars, j'ai toujours rêvé de faire ça. C'est les petits poissons qui te mangent les pieds. Je suis hyper chatouilleuse en plus. Oh my god, ok. Non, faut pas que je les écrase, les gars, j'ai envie de les écraser. Ça chatouille encore plus que ce que je pensais. C'est terrible. Je dois me concentrer pour pas leur foutre un énorme coup de pied dans le visage. Regardez-les, ils se régalent. Ça chatouille ta mère, ça chatouille ta mère. Bah là, je suis habituée, c'est bon, ça me chatouille plus. Je suis très à l'aise là. Je pourrais mettre tout mon corps dedans là. Par contre, ils sont vraiment beaucoup dans un tout petit bocal. Hein. Est-ce que c'est de la maltraitance animale?
Ça se trouve, j'aime participer à la maltraitance animale. Vous êtes prêts pour le reveal de mes pieds? On va voir si ça a marché. Ils sont beaux en tout cas. Ils sont quand même doux, mais ça aurait pu être mieux. Je vois encore des petites peaux. Après, ça a duré que 15 minutes. En fait, elle a dit 15 minutes, mais on aurait dit 5 minutes. Hein. Je pense qu'elle m'a arnaqué la fille. Ah, ça c'est de mon âge. Ok, c'est parti. Oh, putain, mais ça fait mal avec les pieds tout nus. Et au moins 2 mètres là. Au moins 2 mètres 50. Mais ça fait mal aux pieds. Aïe. Je crois qu'on est censé avoir des chaussures spéciales. Bon, ça me saoule, hein. Je vais marcher là-dessus. Regarde les petits enfants de 1 an qu'ils font là. Tu penses que je devrais lui demander des conseils? Elle vient de remettre toute ma vie en question, la gosse. Oh là là, mais il est coupé le tronc, c'est normal? Ok, on est à 1 mètre du sol, les gars. Là, ça rigole pas du tout. C'est bon, je suis habituée là. Je suis devenue blaforte en acrobranche. Alors je peux le bouger? Non, 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 elle bouge pas, elle bouge pas. Ok, on est bon. J'espère que je gagne quelque chose à la fin. Oh non, je déteste ça. Oh, attendez, les gars, je vous explique. Quand j'ai fait de l'acrobranche quand j'étais petite, ils étaient obligés de me sortir de là avec une échelle parce que j'avais trop peur des tonneaux. Ça réveille des traumatismes en moi. Ça craque beaucoup quand même. Hein. Je suis pas sûre que j'ai le poids pour rentrer là-dedans. C'est quoi ça? Ça finit jamais? Putain, c'est quoi? Mais c'est quoi ça? Mais faut tirer. Ah! D'hôtel pour la nuit, je vais vous montrer. À la base, je voulais rester dans un endroit comme ça tout mon séjour, mais vu que j'ai pris mon voyage un peu dernière minute, il n'y avait pas grand chose de disponible. Celui-là, il est juste disponible pour une nuit. Je vais juste rester là cette nuit. Je vais vous montrer mieux demain matin parce que là, on voit rien, c'est la nuit, mais je vais quand même vous montrer un peu. C'est magnifique, genre, c'est l'endroit de rêve. Regardez, ça, c'est la chambre. En fait, il y a 3 chambres, mais ça, c'est la chambre où je vais dormir. Là, il y a une petite salle de bain, petite salle de bain. Là, petite toilette. Et là-bas, c'est la deuxième chambre dans la petite cabane. Je vais vous montrer. C'est tout vitré, c'est magnifique. Et il y a la petite salle de bain là-bas. Et la cour là devant, à la base, c'était la jungle. Genre, c'était des arbres, des buissons, c'était le bordel. Et il a fait toute la petite plagette pendant le Covid. Ça rend trop bien. Trop beau. Le propriétaire, il est obsédé avec son chien. Il y a son chien de partout, en figurine, en poster géant. Il y en a partout. Je vais faire un petit rond de tour dans les catamarans de luxe. D'abord, la cuisine. Voilà, la cuisine qui est plus grande que celle de chez moi, hein, je tiens à dire, le frigo aussi d'ailleurs. Donc là déjà on a un petit espace canapé, petit espace lounge, relaxation. À votre droite, en descendant, vous avez la première chambre. Venez avec moi. Deuxième chambre. Celle-là elle est un peu plus petite. J'avoue, ils auraient pu la faire un peu plus grande, mais bon, on va se contenter de ça. Une salle de bain avec douche. Parfait. Venez par là. Et on a une laveuse sécheuse pour laver vos petites culottes sales. Et là, la chambre principale. Et ici, vous avez des toilettes pour faire votre petit caca. Et un solarium. C'est quoi le solarium? C'est pour observer le soleil. J'aime bien. Suivez-moi. On remonte. Escalier un peu étroit. Hein. On va pas se plaindre, mais bon, on se plaint quand même. Petit espace relaxation. Vue sur la mer. Voici le bateau si ça vous intéresse, pour quelques milliers de dollars. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Je ne pense pas. Et voilà, vous pouvez bronzer en toute tranquillité, faire vos petits selfies, vos petites vidéos. Et là, vous faites le buzz sur les réseaux. Là, vous gagnez au moins 1000 followers, hein, je vous le dis, hein, dès qu'un bateau comme ça. Donc tout est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à ne pas me contacter. Merci.
Il est adorable avec son petit sourire. Oh, je l'adore. J'ai essayé de tout manger juste pour lui. En parlant de poisson, j'ai découvert l'existence d'une activité. Je me suis dit que je pouvais absolument pas passer à côté. C'est un tour dans un bateau totalement transparent. Ça dure une heure. C'est 80$ par personne, mais ça vaut vraiment le coup. L'expérience est incroyable. Si t'as de la chance, tu peux voir des tortues, des poissons de toutes sortes. Il y a des crocodiles aussi, mais tu les vois pas en général parce qu'ils se cachent, ils ont peur des bateaux. On a quand même eu de la chance parce que j'en ai vu un de loin. Je sais pas si vous voyez, on voit un morceau de son corps là. Bref, l'eau était si belle, c'était magique. On est aussi passé au-dessus d'une épave. C'était waouh. Vraiment une expérience à faire au moins une fois dans sa vie. J'ai pris ça pour la maison, j'ai pris un gros souvenir. Ah bah je voulais prendre celui-là, mais bon, je dis peut-être la taille au-dessus c'est mieux. Je m'attendais à écouter la musique mexicaine, voilà à quoi je me retrouve. C'est le moment de repas. Hop là, je vais mettre un petit peu de ketchup. Quoi ? Bah un peu de ketchup. Ouais. C'est trop drôle parce que sur tous les trucs sucrés ou salés, c'est écrit excès de sucre, excès de sel. Ils sont là honnêtes, genre j'aime trop. Je pouvais évidemment pas passer par Tulum sans visiter les ruines de Tulum. C'est des ruines qui ont été construites entre le 10e et le 16e siècle par les Mayas, donc il y a à peu près 1000 ans. C'était un lieu à la fois religieux et commercial, d'où sa position sur la côte. Aujourd'hui, c'est un site archéologique et d'ailleurs une des attractions touristiques les plus populaires au Mexique. C'est le dernier jour, les gars, j'ai envie de pleurer. L'avion décolle dans quelques heures, je suis en train de profiter jusqu'à la dernière minute pour faire des activités. Là, je suis dans un parc qui s'appelle Attic. Avant de rentrer, on doit prendre une petite douche. Par contre, c'est un peu mal fait les douches, regardez. Il y a des cailloux. Je suis censée aller comment dans la douche, genre en chaussures, je comprends pas. J'espère que l'eau est chauffée. Oh, si vous voulez venir ici, genre ne soyez pas les premiers visiteurs parce qu'ils sont en train de nettoyer en ce moment. Ils ont aucun respect pour les premiers visiteurs. Arrête de te plaindre, on dirait une Française. Je suis une Française.